Au début de cette semaine, de nouvelles ondes ont fait leur apparition. L'onde nocturne série 3, les mystères du ver. Une onde nocturne basée sur le même principe que les anciennes, telles que celle du loup et émissaire, similaire à un pass de combat, avec des missions d'ordre de difficulté différentes, bien que pour la plupart très simples. Pour augmenter votre palier, il suffira donc, comme auparavant, de finir toutes les quêtes hebdomadaires pour pouvoir atteindre le palier 30 ou plus. Car oui, le but principal de ces ondes nocturnes sont les récompenses à la clé. Elles sont très variées, mais restent sur un thème commun, le ver. On peut par exemple parler de l'ensemble pour Tenno, Konya ou encore la Ciandala Boléane, ainsi que les épaulières. Tous ces équipements sont considérés comme lootables que ici, donc profitez-en le maximum possible. Surtout que, comme chaque onde nocturne, on a accès à un format Umbra. La pièce la plus demandée par les gros joueurs pour pouvoir optimiser un maximum leur warframe et armes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un format qui a la possibilité de porter sur lui la polarité Umbra. A ce jour, seuls 5 de ces formats Umbra ont pu être lootés, ce qui est très peu, donc utilisez ce format avec beaucoup de soin au préalable. Enfin, on arrive au dernier point important de ces ondes nocturnes. Une nouvelle fonctionnalité est apparue, la scène de crime. De quoi éveiller nos âmes de Sherlock et de se prendre pour le plus grand détective de tous les temps. La fonctionnalité à ce jour est assez simple, chercher des indices par-ci par-là, faisant évoluer l'histoire, mais cette nouvelle fonctionnalité nous réserve bien plus de surprises. En bref, un renouveau sur nos anciennes ondes émissaires, avec un nouveau pass, des nouvelles missions et un nouveau gameplay, de quoi redonner envie à beaucoup de joueurs. Voilà le récap sur cette nouvelle onde, en espérant qu'il vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à t'abonner, ça me fera énormément plaisir et ça permettra de voir que mon travail est pour toi bien fait. Les vidéos de ce genre seront de plus en plus fréquentes, avec des vidéos courtes mais prenant l'essentiel. Bref, je te dis à plus, Tenno, bye!